n'est pas un monstre. Tous les crocodiles. Ah, on en a un qui est posé là. Ben, moi, ils vont le détacher, l'arracher. Alors ça, c'est Nilo. Tu dors. Tu fais comment, là? Il va pigner. Pourquoi tu t'approches pas plus? Mort. Un élevage de peau. Vous voyez qu'il a des petites dents. Mais je vais vous montrer. Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler des différences des crocodiliens. Tous les crocodiliens, il y en a à peu près 27 espèces sur la planète, hein, parce qu'aujourd'hui, on fait de la science génétique, donc c'est plus de la science comparée. Alors donc, on retrouve des nouvelles espèces. Et il y a à peu près, dans les 27 espèces, il y a trois groupes. Alors, il y a les crocodiles, hein, les grands crocodiles, il y a les alligators, et il y a aussi les gaviales, les trois espèces principales. Les gaviales, c'est quoi? Il y en a deux, il y en a un en Inde et un en Afrique. C'est un museau très fin qui mange que du poisson. Donc vous voyez, ils ne sont pas tous méchants. Mais pourquoi on en a peur? Un crocodile, ça nous fait peur. Parce que ça vit sous l'eau, parce que simplement, il n'a pas de lèvres et on ne voit que les dents. Et les dents, c'est un message qui nous fait peur. Reste là, reste là. Hein, tu n'es pas un monstre, montre, regarde, tu montres que tu n'es pas un monstre. Hein? Oui, tu es un simple nain, un petit caïman. Alors on se demande toujours la différence entre le crocodile et l'alligator. Ben, c'est caïman pareil, c'est ce qu'on dit, évidemment, on dit toujours des mêmes blagues. Hein. Voilà, vous voyez? Ça va? T'es bien comme ça? T'es beau comme ça? Oui, t'es beau. Alors évidemment, ils sont nés en captivité, hein, c'est pas des animaux qu'on va chercher dans la nature, hein, ils sont nés en captivité, ils sont gentils comme tout, vous voyez, comme on peut voir. Ils sont habitués à l'homme. C'est comme nous, quand on a peur de quelque chose, parce qu'on ne connaît pas. Eux, ils nous connaissent, ils ont plus peur de nous, donc ils sont gentils avec nous, ils ne cherchent pas à nous manger, ils ne cherchent pas à nous mordre. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va rentrer, vous savez, quand on a peur des animaux comme ça, ce qu'il faut faire, il faut rentrer dans leur intimité. Ah, je suis pas sûr là, d'un coup là. Quand on rentre dans l'intimité, on va apprendre à les connaître. Qui ils sont? Quelle différence il y a? Pourquoi il y en a qui sont dans tel monde ou tel monde? Alors, on peut parler d'ailleurs du monde. Hein. On peut vous montrer une carte. On a une carte pour vous montrer un petit peu où sont les crocodiles et où sont les alligators. Si on regarde la carte, ce qu'on appelle, nous, pas moi, je ne suis pas scientifique. Hein. Moi, je suis un ramasse-crotte, je m'occupe de mes bébés. Moi, ce n'est pas pareil. Donc, on va considérer que ça, enfin, les gens considèrent que cette partie-là, vous voyez, l'Afrique, la France évidemment qui est là, l'Afrique, tout ça, c'est l'ancien monde. Et ce qu'on appelle le nouveau monde, c'est cette partie-là, l'Amérique, l'Australie, puisque ce sont des parties qui se sont détachées, vous savez, avec la Pangée, ce qu'on appelle, se sont détachées. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Ici, on va retrouver tous les crocodiles. Les crocodiliens, ils sont ici, toutes les espèces, il y en a beaucoup. Ici, on va retrouver les alligators, les espèces alligators. Ainsi qu'ici, hein, on a le Porosus, ce grand crocodile marin. D'ailleurs, on pourrait en parler du crocodile marin. C'est un crocodile, c'est le plus gros qui existe et qui a la plus belle peau pour faire des sacs à main. Bah oui, il faut le savoir quand même, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais donc, on voit bien qu'ils sont répartis dans le monde. Hein, pas en haut, hein, au pôle Nord, il n'y en a pas. Hein, il fait trop froid, hein, ils ont des écailles, donc ils se caillent, ils ont des écailles, donc c'est normal. Hein, donc, pas en haut. Il y en a en bas aussi, il y en a un petit peu. Hein, des crocodiles de Chine. En Chine, on a des petits crocodiles aussi, des petits alligators, hein, qui sont en Chine. Hein, ils sont un peu partout, mais ça, on l'appelle comme ça. Mais donc, les crocodiliens, comme on peut voir, les gros crocodiles, hein, crocodiles du Nil, etc., qu'on ira voir tout à l'heure, viens ici, toi. Inscris-toi. Toi aussi, tu dois comprendre ton latin. Hein. Tu regardes la carte. Donc, ils sont ici. Et vous savez, ici, il y a une légende. Enfin, une légende. Moi, j'ai vu dans les vieux dictionnaires autrefois, quand on était jeune, hein, il y a 50 ans, il y avait une photo avec des galions. Un gros galion avec des têtes de crocodiles qui sortaient pour mordre le galion, le bateau. Et le galion, c'est des grands bateaux d'autrefois. Hein, et pour mordre. Évidemment, on a découvert avec le temps que les crocodiles qui vivent en Australie, qui sont des crocodiles marins qui vivent dans la mer, et qui peuvent même attaquer les requins. Il faut savoir que ça rigole pas, ces crocodiles. Et ils peuvent atteindre jusqu'à 9 mètres de long pour certains. Et ces crocodiles qu'on appelle les Porosus, qui vivent ici, toute cette partie-là, ils remontent souvent en Papouasie, Nouvelle-Guinée, pour pondre. Ou ils redescendent pour pondre, ça dépend, ils se baladent, et ils traversent les mers. Et quand ils traversent les mers, ils sont par troupeaux, ce qu'on appelle des bancs de crocodiles, parce qu'ils sont dans l'eau, donc on est des bancs, on n'est pas des troupeaux, hein, ils sont dans l'eau. Des bancs de crocodiles. Évidemment, les premiers galions, autrefois, je parle d'il y a 200 ans, 300 ans, quand les premiers bateaux commençaient à passer par là, ou passer par ici, ils tombaient nez à nez avec des bancs de crocodiles. Alors quand ils se demandaient ce que c'était, donc ils tiraient des coups de canon dessus, ils avaient des canons, et là ils voyaient des têtes qui se levaient dans tous les sens et qui essayaient de mordre. Et ils ont imaginé que c'était un monstre qui avait plusieurs têtes, une chimère. Et c'est comme ça que sur les bateaux, on se raconte des histoires. Évidemment, on n'est pas au courant. Ça, c'est une vieille légende. Et on retrouve cette photo, enfin, ce dessin,
sur les vieux dictionnaires d'autrefois. Je ne sais pas si on peut la retrouver sur Internet, on ne l'a pas trouvé, mais c'est un truc qui existe. Vous voyez comme quoi on peut imaginer des choses parce qu'on ne connaît pas. Nous, on ne va pas imaginer, on va essayer de rentrer dans l'intimité des crocodiles. On va changer un petit peu, hein, voilà. Oui, on t'enlève le panneau. Ben oui, ça ne te fait pas rêver, toi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Vous voyez, ils ne sont pas agressifs quand ils nous connaissent. Vous voyez, ils vont me prendre dans les bras, ils pourraient me déchirer la chemise, ils pourraient me mordre. Non, pas du tout, ils sont cool. Alors, on va changer, vous savez ce qu'on va amener? On va carrément amener, avant d'aller voir les autres, les crocodiles, on va amener un squelette de crocodile, juste pour voir comment ils sont fabriqués, et à quoi ils servent, et quelles sont les options qu'ils ont, parce que comme une voiture, hein, les crocodiles, il y a des options. Et on va regarder les options. Ça vous intéresse? On attaque, allez, clac, c'est parti. On a un squelette de crocodile, hein, vous savez ce qu'on trouve dans les musées, on voit ça dans les musées. Là, on en a un qui est posé là. Alors, on va commencer un petit peu la tête. Évidemment, la tête, quand on regarde, je vais enlever le dessus de la tête, hein, vous voyez, il y a des dents. On parlera des dents après, parce que là, on ne voit pas beaucoup, il n'y en a pas de grand-chose. Et vous avez donc le squelette, vous voyez, il est comme nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est comme nous, il a des côtes, hein, il n'y a pas de problème, il a des pattes. Tous les crocodiliens ont à peu près la même tête. Il y a, alors, dans les gavials, il n'y en a que deux, hein, c'est facile. Vous avez celui qui vit en Inde, qui a un museau très très long et qui mange que du poisson. Et en Afrique, vous avez ce qu'on appelle le faux gavial, qui a un museau un peu plus long, pas aussi long que le gavial, mais qui est dans la famille des gavials, des gavialidés, ce qu'on va dire. Hein, voilà. Donc, ici, on va regarder. Donc, il y a la tête. Vous avez les pattes. Alors, les pattes, vous voyez, des crocodiles, il a 1, 2, 3, 4, 5 doigts, comme nous. Hein, la main devant, 5 doigts, et 2 doigts avec des griffes. Et les autres n'ont pas de griffes. Hein. Ici, pareil, enfin, 3 doigts qui ont des griffes, et l'autre qui n'en ont pas. Les deux autres qui n'en ont pas. Ça veut dire ça, c'est avec des griffes pour creuser. Hein, exactement, et celui-là il ne sert à rien, c'est plutôt du tactile. Après on voit bien qu'il y a une colonne vertébrale, et à partir de là vous avez la queue qui est assez longue. Alors évidemment nous on n'a pas de queue comme les animaux, comme les chimpanzés, on n'a pas de queue, les chimpanzés n'ont pas de queue. Par contre certains singes ont une grande queue, ben eux, leur queue est utile pour se propulser dans l'eau, parce qu'ils s'en servent, tu sais, la queue est un peu disons plate, et ça permet d'aller très vite, c'est-à-dire que quand ils veulent attraper une proie, avec la queue, ils se propulsent, ils attrapent tout de suite une proie. Voilà, c'est un peu comment ça se passe. Alors ça, c'est un crocodile du Nil, hein, on l'a mis ici, hein, d'ailleurs, comme ça, on peut regarder, hein, c'est pas si on voit bien. C'est un crocodile du Nil, hein, c'est un crocodile qu'on trouve en Afrique. Dans les crocodiles, il y en a deux, les crocodiles du Nil, à peu près. Deux, un qui vit dans le Nil, qui lui est intégralement protégé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il y a l'autre qui vit en Afrique, à Madagascar, qui vit un peu partout, qui lui est moins protégé, parce qu'il y en a partout. La différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont les yeux pas tout à fait placés au même endroit. Il y en a un qui est beaucoup plus qui chasse en dehors de l'eau, donc il a les yeux un peu plus haut, alors que l'autre chasse un peu, voilà, il a les yeux un peu plus bas. Bon, ben ça c'est, ben, alors ça c'est compliqué, hein, il faut voir ça, ça se voit pas facilement. Après, on peut regarder que les pattes arrière. Alors les pattes arrière, eux, là, il y a 4 doigts seulement. Que 4. Il y a un petit doigt, qu'on peut voir ici, et 3 doigts avec des griffes, encore des griffes, pour creuser, pour ramener la terre exactement, ou pour courir mieux que ça, pour s'accrocher, pour quand ils courent, hein, sur la terre. Mais ils aiment bien être dans l'eau. Mais quand ils sortent de l'eau et qu'ils se propulsent avec leur queue pour attraper une proie, ils l'amènent dans l'eau. Et là, comment ça se passe? Ben, quand ils amènent la proie dans l'eau, ils vont soit essayer de la noyer, et s'ils n'y arrivent pas, ils vont une technique qu'on appelle faire le coup du tonneau, ça veut dire qu'ils vont être à tourner, pour détacher un morceau. Mais ça, c'est plutôt quand la bête est morte. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la bête se débarrasse un peu, ils vont donner des grands coups de tête très violents comme ça, ils vont détacher, s'ils attrapent un bras, ils vont le détacher, l'arracher. Vous voyez la puissance que ça peut avoir, cet animal. Et grâce à sa queue et à son corps, il se tient dans l'eau, et il s'appuie sur l'eau carrément, mais il va tellement vite qu'il s'appuie sur l'eau et qu'il peut arracher directement. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors donc là, on a un squelette de crocodile, vous voyez bien qu'il a aussi un bassin, hein. On voit bien qu'il y a le bassin comme nous, hein, un bassin qui fait ses œufs, et là-dedans, il y a tous les viscères, il y a exactement tout. Donc, on vous montre ceci, voilà. Mais il y a un petit truc aussi qui était rigolo, je vais vous demander, vous savez ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous le montrer, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez, oui, ça s'emboîte, comment on fait, où ça tient, où est-ce que ça va ces choses-là? Et à quoi ça sert? Il y en a qui savent déjà. Eh bien, ça s'appelle des océodermes. C'est quoi un océoderme? Je vais vous montrer un petit peu, on a fait un petit papier pour l'expliquer déjà. Voilà, un océoderme, c'est ça. C'est un os qui est dans le derme de la peau. Ça veut dire os dans le derme de la peau. Le derme de la peau, c'est sous la peau. Il n'est pas dans la viande, il est dans la peau, coincé dans le cuir. C'est pour ça que quand on fait des sacs, par exemple, avec des crocodiles, puisqu'on fait des élevages dans certains pays, on récupère que la peau du ventre, on ne prend pas le haut. Ou alors, c'est pour une décoration qu'on va prendre le haut pour faire des sacs.
hein, par exemple. Mais sinon, le vrai cuir, on prend celui du ventre. Et le meilleur cuir, malheureusement, c'est le porus du crocodile, mais ils ne sont pas en voie de disparition totale, ça va. Mais c'est le porus, le grand crocodile australien, qui est la plus belle peau, le plus beau cuir pour fabriquer des sacs ou des ceintures ou des chaussures ou toutes sortes de choses. Hein. Voilà. Et ça, c'est des océodermes. C'est quoi les océodermes? Ça sert à quoi, entre autres? Pourquoi il a des os qui sont placés sur le dos? Je vais vous montrer un peu comment c'est. Voilà. Ceci, hein, on vous l'a enlevé, hein, parce que voilà. Il y a ceci, voilà. L'océoderme, voilà. Ce sont des petits os. Vous voyez, qui sont placés dans la peau du crocodile, comme on peut voir. Tu vois, si on le voit de là-haut, coucou, hein, on le voit de là-haut. Voilà, ce sont des os qui servent d'une part de protection, parce que ça leur fait une carapace, un peu comme vous savez. D'ailleurs, certains primitifs, je dis ça en rigolant, mais certains guerriers avaient ce genre de choses accrochées sur des cuirs pour éviter de prendre des coups d'épée dans certains pays. Hein. Voilà, ça, vous voyez, tout a été utilisé. Et voilà, ça, c'est les océodermes. Donc tous ces petits os vont servir, et vous remarquerez que ces petits os, si on regarde bien de près, regardez, on va regarder de très près, qu'est-ce qu'il y a sur ces océodermes? Regardez bien. On voit qu'il y a plein de petits trous. À quoi servent ces petits trous? Eh bien cet animal, voilà, cet animal qui a connu les dinosaures, parce qu'il faut savoir qu'ils ont connu les dinosaures. Oui, oui, ils ont connu les dinosaures. Ils étaient déjà là quand il y avait des dinosaures, alors que nous, on n'existait pas sur la planète. Vous imaginez un petit peu? Eh bien, ils ont fabriqué des panneaux solaires. Ça, c'est un panneau solaire du crocodile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petits vaisseaux sanguins qui vont dans ces trous-là, et quand il sort le crocodile, parce que les crocodiles, vous savez, on dit toujours qu'ils sont verts. Si on demande à un enfant, dessine-moi un crocodile et peins-le. Il va le peindre en bleu, en rouge? Non, il va le peindre en vert. Ou alors c'est un Pokémon, d'ailleurs ça ressemble un peu à un Pokémon, hein, tout ça. Hein. Mais il va le peindre en vert. Pourquoi? Ils ne sont pas verts les crocodiles, ils sont ou noirs, ou jaunes, ou marrons, mais ils ne sont pas verts. Ils sont verts parce qu'ils ont des algues vertes sur le dos, ils aiment bien être dans des eaux stagnantes, parce que dans l'eau ils se cachent. Vous savez, ils se mettent sous l'eau, ils aiment bien quand il y a du vert, parce qu'ils se cachent sous l'eau, ils ont juste le nez qui sort pour respirer, ou les yeux pour voir ce qui se passe. Et oui, et là, justement, quand il y a une proie, paf, ils sont capables d'avancer doucement. Donc ils vivent comme ça. Mais le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'eau, par exemple, et ils vont se mettre sur une berge. Et là, ils vont plus bouger, ils vont se laisser au soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Le soleil va rentrer directement, il va taper directement sur les océodermes qui sont là. Vous voyez, là on a fait un plus gros, on le voit bien. Et vous voyez qu'ils sont tous avec des petits trous. Parce qu'il y a des petits vaisseaux sanguins qui se baladent au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Le soleil, il va chauffer les vaisseaux sanguins. Et une fois que les vaisseaux sanguins sont bien chauds, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le sang, ça circule, il va se réchauffer. Donc cet animal, qui a connu les dinosaures, a inventé les plaques solaires, mais dans sa peau. Vous voyez, c'est quand même pas mal, c'est rigolo. On va l'enlever, hein. Vous voyez un peu, ça, c'est la forme. C'est ces plaques solaires à lui, hein, qui ont été mises. Voilà. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, on va essayer de regarder les différences entre crocodile, alligator et gavial. Gavial, on sait à peu près ce que c'est, on a vu les photos, on voit à peu près ce que c'est. Crocodile, ils sont en Afrique. Alors, vous avez des petits crocodiles nains, qui sont tout noirs, qui ressemblent un peu aux caïmans, qui sont, eux, en Amérique. Ils ressemblent un petit peu, mais c'est pas du tout les mêmes. C'est des crocodiles. Parce que la dentition, les machins, tout, ce sont des crocodiles. Et si vous regardez grand crocodile Niloticus, hein, c'est le plus grand des crocodiles, hein, à part le porus. Alors, crocodile nilu peut atteindre 6-7 mètres, voire à l'époque. Mais il faut savoir qu'à une époque, la nourriture, il y en avait beaucoup. Donc, les animaux grandissaient beaucoup plus vite. Ils devenaient très grands. Donc, on peut trouver des crocodiles du Nil jusqu'à 7 mètres, voire même un peu plus. Maintenant, il y a moins de nourriture, évidemment, parce que nous, on partage la nourriture avec eux. Hein, on prend du poisson, etc. Puis en plus, on tue les gros crocodiles parce que c'est un rapport de viande intéressant. Je parle dans des pays, on n'est pas tout seul, on n'est pas tous des blancs à vivre dans notre petite France. Hein. Il y a un monde qui vit autour de nous. Et la France, vous l'avez regardé sur la carte, est tout petit. Hein. Alors on a nos idées à nous, mais eux, ils ont les leurs. On ne va pas juger qui est quoi. Hein. On n'est pas là pour ça non plus, on n'est pas juge. Hein. Donc, il y a ceux-là peuvent atteindre, bon déjà, quand on en trouve un de 6 mètres, 6 mètres 50, 7 mètres, c'est déjà énorme, c'est très rare maintenant. Avant, on en trouvait. Je me souviens, en Afrique, quand j'avais, 20 ans, il y avait, je parle de ça il y a quand même, il y a quand même 50 ans, il y avait des gros crocodiles, il y en avait même empaillé, le très gros, parce qu'on empaillait les très gros, c'était des records qui faisaient jusqu'à à peu près celui qu'on avait, il faisait 6 mètres 50 et des poussières. C'était énorme, c'est des monstres, hein, ils ont des têtes larges comme ça. Moi j'en ai vu personnellement dans la brousse, on les a repérés d'avion d'ailleurs. Alors là aussi c'est une légende africaine, les Africains les appelaient les crocodiles qui ont des arbres sur le dos. Pourquoi? Parce que les gros crocodiles, très gros, qui ont des mâchoires, la tête, vous voyez là, elle est large comme ça, des têtes larges comme ça. Moi, j'en ai vu un, je peux vous dire, il avait d'ailleurs la queue coupée, une vieille bête. Ils bougeaient presque pas. Alors ils vivent sur les berges, ils vont un peu dans l'eau, mais ils n'ont plus de prédateurs, personne ne vient les attaquer. Et il était très gros. Et effectivement, vous avez des graines qui se collent sur le dos,
parce qu'ils ont les dos un peu. Et elles se mettent à germer. Et les Africains disent, ah oui, c'est grand crocodile, là, il y a les arbres qui poussent sur son dos. Parce que c'était des petites feuilles qui poussaient, évidemment, une graine qui se coince, qui est toujours à moitié dans l'eau, elle pousse, ça fait une gerbe, ça s'accroche un peu sur la peau, mais ils arrivent à s'en débarrasser, avec les mules, s'en débarrassent. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors là, on va aller voir la différence. Crocodile, vous avez pu voir que là, on voit le crâne, mais on ne voit pas bien. Donc, on va faire un coup de magie, encore une fois, attention, clac, et voilà. Alors là, on a pris une tête de crocodile plus grande pour voir les dents. Parce que les dents, c'est quand même quelque chose d'important. Vous savez bien que chez nous, chez les grands primates, regardez un singe par exemple, d'abord il va vous faire les yeux comme ça, premier contact pour dire bonjour, puis après il va montrer ses dents. Donc vous voyez, chez les grands singes, c'est les yeux, c'est les dents. Et regardez par exemple, ici on a une tête de babouin. Regardez les dents qu'ils ont, les grands mâles, ils ont des grandes dents. Plus les dents sont importantes, sont grandes dans le règne des singes, et plus ils sont impressionnants. Voilà, ils ouvrent la gueule comme ceci. Vous voyez, regardez les grandes dents qu'ils ont, parce que c'est un message. Quand un singe, un grand singe a des grandes dents comme ça, qu'il ouvre la gueule, il montre bien ses dents pour bien montrer que, attention, c'est lui le chef. Et oui, et les dents, c'est important. Et dans la nature, les dents, évidemment, pas de dents, mange pas, on meurt. Donc, dans la nature, c'est bon. Et les crocodiles, ils ont un système. Nous, les humains, on perd nos dents, deux fois. Ça veut dire qu'on perd les premières dents, c'est les dents de lait, vous savez, et après, on a les dents définitives. Et si on les use et qu'on les casse, bah, à part le dentiste, on peut rien faire. Donc ça c'est important. Et chez le crocodile, est-ce que vous croyez qu'il perd ses dents? Vous avez vu un crocodile sans ses dents? Non, ça n'existe pas. Ils peuvent avoir jusqu'à... D'ailleurs, on va vous demander le nombre de dents qu'il y a dans une mâchoire de crocodile. Mais pour eux, toute leur vie, ça peut aller jusqu'à 300, 500, 6000, 3000 dents même. Parce qu'elles repoussent par vagues, ce qu'on appelle. Ça veut dire que les premières commencent à tomber et elles repoussent au fur et à mesure. Elles repoussent. C'est comme ça que ça se fait. Donc il n'a pas besoin de se brosser les dents. De toute façon, il n'est pas trop court. Hein. Regardez un crocodile, il ne peut pas se brosser les dents. Il n'a pas de brosse à dents, il n'est pas trop court. Donc comment il fait? Elles tombent. Quand elles sont usées, comme ça, vous voyez, elles tombent. Hein. On voit bien comment c'est fait. Hein. On voit même des petites toiles d'araignée. Hein. C'est des petits trucs qu'on a à nous. Hein. Voilà, vous voyez, on voit bien comment c'est. Alors donc les dents tombent. Mais regardez, celles qui sont là, elles sont pointues. Et celles qui sont ici, sont un peu plus arrondies. Et bien si on regarde bien là-dessus, on va vous le montrer là, ici. Regardez, hop, voilà. Voilà, ça c'est une dent de Neoticus, hein, c'est une grosse dent, vous voyez, tout ça c'est la racine hein, qui est costaud, hein, qui tient dedans, on voit bien la racine et on voit juste la dent qui sort, vous voyez, c'est une grosse dent quand même, bon, il y a encore plus gros que ça, hein. Bien sûr, moi je parle du Neoticus. Et regardez, les dents qui sont devant sont des dents pointues, et les dents qui sont derrière, on peut appeler ça des molaires, c'est des dents un peu arrondies. Ça, c'est des dents qui sont costauds, pas pointues, pour broyer. Ça veut dire que ça, c'est pour manger, il attrape une proie, hein. Voilà, on se remet ici. Donc, avec ces dents-là, hein, on peut voir qu'il attrape les proies. Hein, ça veut dire qu'il attrape un animal, il l'attrape par ici. Hein. Donc, il l'attrape. Et une fois qu'il a attrapé la proie, évidemment, il va l'amener au fond. Et là, il a des dents un peu arrondies qui vont permettre très puissamment de broyer les os, broyer l'animal. Voilà comment ça fonctionne. Le crocodile africain, il a les grandes dents qui sont là, qui remontent, vous voyez, dans la mâchoire, qui remontent ici. On voit pas qu'on peut le faire, hein, vous voyez. Ça remonte à l'intérieur, ça revient sur les côtés. Ça, c'est le crocodile africain. Les dents principales, elles montent là-haut. Évidemment, il a celle-là aussi pour accrocher. Et chez le crocodile, chez l'alligator, c'est différent, c'est le contraire. Les grandes dents principales vont vers le bas. Alors ça, vous voyez, c'est encore des différences, les scientifiques qui nous mettent un peu des repères. Mais on a besoin de repères pour comprendre. Voilà un petit peu à quoi servent les dents. Donc, ils ont bien des molaires derrière et des canines devant. Bon, pas d'incisives, hein, ils ne coupent pas, ils attrapent. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Voilà le nombre de dents. Alors, dites-nous combien il y a de dents en vitesse dans un crocodile. On a marqué ici. Mais regardez, cherchez ou comptez. Tenez, on vous laisse compter. On attend une réponse de votre part. Vous nous direz combien il y a de dents dans la mâchoire inférieure et dans la mâchoire supérieure. Vous voyez tous ces petits trous, c'est aussi des vaisseaux sanguins qui se baladent, hein, puis c'est très costaud et ça a besoin d'être léger aussi. Hein. Voilà, donc on voit bien tous ces petits trous qui sont là. Mais il y a une chose importante. Ici, vous voyez les tout petits trous qui sont sur les côtés et surtout en dessous, là vous avez des petits trous. Vous voyez tous ces petits trous? Il y a des pupilles, ce qu'on appelle des papilles gustatives. Vous savez, à l'intérieur de la bouche, quand vous mettez du sel devant, ça vous le sentez pas, vous mettez derrière, vous sentez le sel. Le sucre, vous le sentez un peu plus loin derrière. Ce sont des papilles qui goûtent si c'est du sucre, etc. Eh bien lui, au lieu de les avoir à l'intérieur, parce qu'il a une langue qui est collée, on peut le voir après sur les crocodiles, la langue est collée, au lieu d'avoir ça à l'intérieur, il a ça à l'extérieur. Donc quand vous touchez un crocodile ici, il sait tout de suite si c'est de la viande, et tac, une fraction de seconde, il va se retourner pour manger. Et en haut, c'est pareil, il en a aussi. Donc, c'est un peu comme, on va dire sur les requins, ce qu'on appelle les ampoules de Lorenzi. Hein, ce qu'on appelle les ampoules de Lorenzi, c'est ça aussi, mais il détecte encore plus loin, il détecte. Mais même ça, si vous mettez une goutte d'eau qui tombe,
tout de suite il va le sentir, parce que la goutte d'eau, l'ombre de la goutte d'eau, va tout de suite, il va le sentir tout de suite. Donc tout de suite il sera réveillé pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui est tombé dans l'eau. C'est une proie ou pas. Vous voyez, donc cette partie est importante. Si vous touchez un crocodile là, instinctivement il se retourne. Vous le touchez à l'intérieur, il vous dira presque rien. On peut voir ça en Thaïlande aussi, c'est pas la même chose. Mais toucher sur les côtés, normalement il mord. Donc il faut faire attention parce que eux, c'est le réflexe, manger. Dans la vie, il faut se nourrir. Donc, pour finir un peu tout ça, on va aller voir nos crocodiles. Alors, moi j'ai un alligator, hein, il y a Ali et Gator, vous connaissez, hein, tous vous les avez vus. Et Ali, en ce moment, il est dans son bain, il baigne, il est tranquille dans son coin, on va le laisser, il est dans l'eau. Et il y a Gator qui est dehors. Mais de Gator, on va aller voir tout de suite pourquoi ses dents sont petites. Et on va passer dans l'escalier où il y a Nilo, vous savez, notre crocodile du Nil, hein, qui fait partie de cela, hein, qui lui vit chez nous, sort dans le jardin et le soir rentre à la maison. Et en ce moment, ben, aujourd'hui, il est sorti, il a vu que c'était pas beau, il est rentré, il est allé se mettre dans les escaliers, il a un endroit où il se met depuis qu'il est tout petit. On le laisse faire et on passe, vous allez voir, on passe dessus. Venez, suivez-moi, on y va. Oh là là, regardez ce qui se passe là. Regardez dans les escaliers, comment on va faire pour monter? On va risquer notre vie pour vous encore? Non, on rigole. C'est Nilo. Nilo, il vient dormir là, comme j'explique souvent. C'est son coin. Là, il n'est pas allé dans le jardin, il y a de la tempête en ce moment, du vent, ah bah, il est pas sorti, il le sait, hein, ils ont une météo dans la tête. Ils sont intelligents ces animaux, ils ont de la mémoire. Les animaux qui vivent vieux ont beaucoup de mémoire. Les crocodiliens, entre autres, ont beaucoup de mémoire parce qu'ils vivent très vieux. Alors venez, on va y aller. Par contre, je ne garantis rien pour le caméraman. Ouais, voilà. Alors ça, c'est Nilo. Voilà, viens voir. Tu peux filmer Nilo. Alors Nilo, il dort là. Qu'est-ce que tu fais là, Nilo? Hein? Qu'est-ce que tu fais là, Nilo? Tu dors? Le squelette que vous avez vu, c'est un squelette de Niloticus, donc le même animal, sauf que lui, il est gras comme un loukoum. Hein, et... Ah ben, il mange bien la cantine, hein, mon grand, tu manges bien. Ben oui, tu manges bien. T'es un gros bébé, mais tu manges bien, c'est bien ça. Vous voyez, et puis, comme il est chez nous, il est sur mon territoire, il n'est pas agressif du tout avec moi. Je suis le patron, je reste le patron, donc il ne va pas me bousculer. Non, 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 il vit avec nous, tout le monde peut passer. Même le caméraman, vous verrez ses pieds passer à côté de Nilo. Alors Nilo, vous avez vu les dents, maintenant on connaît comment ils sont faits à l'intérieur, on a appris. Hein, vous voyez le nombre de doigts, vous voyez même dans les pattes, on revient dans les pattes, non, tes pattes, ne me dis rien. Voilà, vous voyez, on voit ses pattes, hein, il a quatre doigts, hein, là on les voit hors squelette, hein, vous voyez, on voit bien les quatre doigts. Il y a trois griffes et un doigt sans griffe. Hein, on voit bien, vous voyez, les griffes, elles sont là, il y a un doigt sans griffe. Là, on travaille avec un animal vivant. Et les pattes de devant, on peut voir ici, hein, il y a trois griffes aussi, et deux pattes sans griffe. Hein, voilà. Mais là, il a les cinq doigts, et là, il en a quatre, comme on a vu sur le squelette. Hein, voilà, on va te laisser tranquille, mon grand. Allez, venez, je vais vous montrer Gator, parce que Ali, là, il est dans son bain, il dort, il est sous l'eau. Là, il y a de la tempête, il se cache sous l'eau. Quand il y a une tempête, comme ça, les crocodiles, ils vont sous l'eau, et ils restent en protection. Ils sont pas bêtes, ils connaissent les tempêtes. Tu sais, quand il y a des cyclones, des trucs comme ça, ils meurent pas, hein. Ils sont cachés, ils sont bien cachés. Beaucoup d'animaux se cachent dans des trous aussi. Ils peuvent rester deux mois dans un trou sans bouger, dans un petit trou bien serré. Pour ça, on dit, les reptiles, il faut de la place. Non, il n'y a pas besoin de place. Quand ils ont trop de place, ils ont peur. Voilà, il faut savoir, ils s'inquiètent de ce qui peut arriver, le danger, ils dorment moins. Alors que quand ils ont leur petit trou, leur petit coin, ils sont tranquilles, ils dorment. Ils savent que là, ils récupèrent au maximum et ils consomment très peu de nourriture. Donc, ils n'ont pas besoin, ils peuvent rester très longtemps sans manger. Je rappelle que le serpent qui restait le plus longtemps sans manger jusqu'à sa mort, c'est dans un zoo en Afrique du Sud. Ils ont récupéré un python de Sheba, ils l'ont mis dans le zoo, et vous savez combien de temps il est resté, parce qu'il n'a jamais voulu manger, et vous savez combien de temps il est resté sans manger, parce qu'il n'a jamais voulu manger, ils l'ont gardé jusqu'à la fin, il est resté 9 ans et demi sans manger. Vous voyez les différences entre nous et les animaux, on ne peut pas dire « moi à sa place je », parce que si vous dites « moi à sa place je serai malheureux », ben, mettez-vous à la place d'un ver de terre, on va vous en tirer vivant, vous n'allez pas aimer. Acceptez les différences des animaux, ils ont leurs besoins et nous les nôtres. Donc il faut bien comprendre comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'ici, on vient en symbiose avec les animaux qui, vous voyez, ils ne nous agressent pas. On est là en train de discuter depuis tout à l'heure avec Nilo. C'est quand même un crocodile qui fait 2 mètres, qui pourrait nous faire manquer des doigts. Hein. Il nous attrape un doigt, il l'enlève, hein. Même deux, même trois, même la main. Hein. Vous voyez, ils sont cool avec nous. Voilà, parce qu'il ne faut, faut pas leur montrer qu'on a peur, il faut être gentil avec eux. Juste ce qu'il faut, mais restez quand même le patron à bord. Si on reste le patron, bah, il nous respecte. Voilà, venez, on va aller voir Gator. Et regardez le caméraman, regardez les pieds du caméraman qui va passer devant le crocodile. Allez, vas-y. Ouais. Tu fais comment, là? C'est gentil, Nilo. Ah. Dis donc, t'as ton jean qui est tout déchiré, tu l'aurais pas, il t'aurait pas déjà attrapé, lui? Ah, il l'a attrapé déjà. Honnête. Alors là, vous êtes chez moi, dans mon salon, chez moi, dans ma maison, où il y a évidemment des animaux. Alors, il y a Gator qui doit être par là.
Ouais, je vais en quoi, Gator, l'alligator. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Gator? Il va pigner. Voilà. Dès qu'il voit quelqu'un, un caméraman, il gueule. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gator? Pourquoi tu gueules? Et alors, si vous regardez bien... Arrête. Tu sais bien que tu fais du cinéma pour rien. Arrête, Gator. Arrête un peu. Arrête. Couche-toi. Gator, il va pas te manger, c'est un caméraman. Couche-toi. Sois gentil. Oh, t'es beau quand tu fais ça. Hein? Alors, vous remarquez que les dents... Tiens, viens filmer ici les dents de l'alligator. Vous voyez, il a presque pas de dents. Pourquoi tu t'approches pas plus? Non, mais ça ira, t'inquiète pas. Il transpire, le caméraman. Il transpire. Alors, vous voyez qu'il a des petites dents. Mais je vais vous montrer qu'il n'est pas méchant. Il fait beaucoup de cinéma parce que lui, c'est son territoire. Il est chez moi et son boulot de crocodile, parce qu'ils vivent en groupe, son boulot à lui, c'est de protéger notre emplacement. Ça veut dire me protéger moi aussi. Et je vais vous montrer. Vous voyez, on a un crochet, par exemple. On va lui mettre dans la gueule. Est-ce, s'il est en colère, c'est qu'il va mordre. Regardez. Mort. Ben mort. Allez, mort. Mort. Pourquoi tu mords pas? Vous voyez, donc, en réalité, c'est un braillard. Voilà, c'est un braillard. On en connaît, les braillards qui vivent. Voilà, ils font beaucoup de bruit, mais comme on dit vulgairement, ils pissent pas loin. Alors, vous remarquez que Gator, regardez, il a des petites dents. Vous voyez, il en manque beaucoup. Et pas parce qu'il est maltraité. Non, simplement parce que c'est un animal comme Ali. Ali et Gator arrivent d'un élevage de peau. Et quand on fait un élevage de peau, tous les œufs, on les met tous en incubation. Mais je rappelle une chose, c'est que dans la nature, les mamans ne font pas un bébé comme nous. Ils en font une cinquantaine, voire une soixantaine. Et il y en a beaucoup qui vont mourir et qui vont aider la nature à se développer. Ça va nourrir d'autres animaux, les arbres font tomber des feuilles qui enrichissent la terre. Comme ça, les arbres poussent mieux. Chacun paye un impôt. C'est une façon de payer un impôt à la nature qui, la nature, nous protège. Enfin, protège les animaux, parce que nous aussi, on a besoin de la nature. Et si on continue à la traiter comme on la traite, je vous garantis, on est en sursis. Hein. C'est parce qu'on va laisser à nos petits-enfants, mais il y a intérêt à commencer à vivre en symbiose avec nos animaux par la connaissance, voir qu'ils ne sont pas plus dangereux que les autres, il suffit de les connaître, plutôt que tout détruire à chaque fois. Oh, c'est quoi? Je ne connais pas, je tue. Stop, il n'y a plus beaucoup d'animaux, il faut arrêter de les tuer. Il faut les protéger. Et nous, on en fait partie, vous le savez. Et donc, vous voyez que tous les œufs qui sont mis en incubation, ben, ce crocodile, cet alligator, vous voyez, avec les dents qu'il a là, ben, il a des petites dents. Alors, il a toujours peur de manquer de nourriture parce qu'il n'est pas capable de se nourrir. Donc, quand on lui donne à manger, arrête. On lui met à l'intérieur, comme ça, il mange. Arrête un peu, arrête. Tu arrêtes ton cinéma, arrête de manger les canapés, c'est pas bien. Voilà. Oui, ben, c'est bien, tu parles. Et pourquoi il a des petites dents? Parce que dans les élevages, il les garde pour la peau. Ça veut dire que quand ils font 1m20, il les tue pour récupérer la peau pour faire des sacs à main ou des ceintures. Donc, ils n'en ont rien à faire, il n'y a pas de dents. Mais dans la nature, celui-là, il n'aurait jamais survécu. Il serait mort depuis longtemps. Là, il n'est pas mort, il est vivant. Bon, il est dans un salon, il se balade, il va dehors dans son bassin. Pour certains, on pense qu'il est malheureux, mais croyez-moi, ils sont très heureux parce que, vous voyez, il défend son territoire comme s'il était chez lui. Et ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, 30 ans qu'on est ensemble. Donc on se connaît bien, lui et moi, on se connaît bien. Hein, monsieur Gator? Qu'est-ce que tu racontes, Gator? Ils font un bruit pour faire peur, hein, comme beaucoup d'animaux. Hein. Il y a des animaux qui font peur, comme le serpent sonnette avec sa queue, par exemple, pour prévenir. Ils vont utiliser un outil pour faire peur. Et comme les serpents qui soufflent, c'est toujours pour faire peur. Toujours pour prévenir, parce que dans la nature, je rappelle qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Donc les animaux, ils ne vont pas au conflit, à la guerre tout de suite. Ils ne vont pas se battre, ils évitent de se battre. La première chose qu'ils vont faire, c'est de fuir. Mais s'ils n'ont pas le choix, voilà ce qui se passe. Donc, ils font du bruit. Et bon, voilà, M. Gator, il pigne. Ouais, je sais, tu fais ton cinéma, mais ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, lui, il n'a pas beaucoup de dents, mais on l'aime quand même. Même s'il n'est pas très beau, on l'aime quand même. Hein, M. Gator, on t'aime bien, même si tu râles un peu tout le temps. C'est une grande gueule. Hein. Oui, les néocticus aussi font des bruits, pas la même chose, c'est des bruits un peu différents. Mais ils font des bruits, ils connaissent bien. N'oubliez pas que ces animaux, quand ils chantent, ils utilisent des infrasons quand ils font du bruit. Des infrasons, c'est des sons qui sont tellement graves comme les éléphants qu'on ne les entend pas. Et eux, ils peuvent s'appeler à 5 km. Vous savez, ils peuvent s'entendre jusqu'à 5 km. Alors que nous, il faut un téléphone, on ne peut pas faire autrement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous liker si ça vous a plu, ou liker Gator, hein, le râleur, hein, parce qu'il demande à être liké lui aussi. N'hésitez pas. Et vous avez vu le beau squelette qu'on vous a présenté. C'est Ali qu'on a mangé hier, évidemment. Alors voilà, maintenant il ne reste plus que les os.
Mais non, on rigole, on les aime trop nos bébés, on ne les mangerait pas, on ne pourrait pas les manger, ce serait impossible, hein, on les aime trop. Voilà, bah écoutez, à bientôt, pensez à nous, vous savez qu'on est un refuge aussi, aidez-nous à grandir et à grandir un peu pour ces animaux et des emplacements un peu plus intéressants. On se bat déjà depuis 3 ans, comme ça, pour y arriver, et on récupère régulièrement, encore dernièrement un boa, on récupère des animaux quand on peut le faire, mais c'est à nos frais. Ça veut dire que c'est nous qui nous déplaçons à chaque fois, on ne demande pas aux gens de payer parce qu'ils n'ont pas les moyens. S'ils débarrassent leurs animaux, c'est qu'ils ont déjà des gros problèmes. Donc on ne demande rien, puis pour ça qu'il faut pucer, on les puce nous-mêmes, on paye tout ça. Et n'oubliez pas qu'on a une nouvelle chaîne qui s'appelle Patreon. Vous la verrez à la fin de la vidéo, elle est marquée. Hein. Patreon, c'est une nouvelle plateforme. Voilà, moi je sais, j'y connais pas grand-chose. C'est une nouvelle plateforme où on pourra vous montrer, par exemple, quand des souris, comment elles meurent pour manger, pour se faire nourrir. Parce qu'on peut pas vous montrer des choses comme ça. On va se faire bannir, on pourra plus vous montrer quoi que ce soit. Donc on a ouvert une plateforme qui s'appelle Patreon, hein, et là-dessus vous pourrez voir des vidéos d'envenimation, des choses comme ça, les risques, les vrais risques que l'on peut avoir en cas de danger. Voilà, donc vous pouvez nous aider, n'hésitez pas, et surtout faites des commentaires, n'oubliez pas une chose, même moi, les professionnels qui ont vu la vidéo, s'ils ont des choses à dire que j'ai oubliées, dites-le-moi, parce qu'il y a peut-être des choses que je ne connais pas. On n'est pas la science infuse, on ne connaît pas tout, et on apprend tous les jours, donc aidez-nous, n'hésitez pas à nous commenter, et si on a oublié des petites choses, et on peut en discuter. Merci, à bientôt, on vous laisse, au revoir Gator, à l'heure. Du coup, on vient de terminer le tournage et on arrive là. Axel, ouais. Tu restes chez moi ou tu viens avec moi? Ah, faut que je... Bah, allez hop, on y va, viens, toc toc, on passe là. Voilà, moi je suis sauvé, à toi. Allez, on va essayer. Tu fais attention à Lilo. Et non, il ne dira rien. Oui. C'est comme si tu passais à côté de moi, je ne te dirais rien, parce que je te connais, et puis... si je suis chez toi, je ne vais pas commencer à taper dans les murs. Et ben c'est pareil, il est chez lui, il ne va pas t'embêter parce que tu as l'autorisation du mâle dominant de moi de venir chez moi. C'est ça qui est important.